Foolish Sultan. You think you can return to Persia. But you're wrong. You no longer rule here. Soon the princess and all of Persia will be mine. I will be Sultan. I am invincible. Oh, crystal of pure holiness. Let me see the story of my triumphant future. Show me Persia under my reign. And show me the princess when she is my wife. And all Persia is ours. I am terrified of Jaffa. While father has been away, Jaffa has banished the servants. Don't worry. When the Sultan returns, everything will be all right. Thank you. You're so kind. I've been very worried since father left for his mission far away. I'm so glad that you are here. I would like you to meet father when he returns. Yes. But I am just a wandering traveler. Your father may be angered if he sees us together and banish me along with Jaffa. Princess, please return to your quarters at once. What do you want? Stop it! Leave me alone! Princess! Leave us alone! It is Master Jaffa's orders! What? We must arrest him! Him? He didn't do anything wrong! Master Jaffa will explain later. Please return to your private quarters! He didn't do anything wrong! Stop it! Let him go! Princess! Young knight, methinks you are getting a little too friendly with the princess. And to reach my goals, I must get you out of the way. Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Prince of Persia sur Mega CD. Bon, je vous ai mis l'intro de la version US parce que la version JAP et la version PAL ont un problème, c'est que le son est décalé. C'est-à-dire les voix sont décalées par rapport à l'image, c'est un peu énervant. Bon, mais là, c'est bien la version PAL. Donc, c'est un jeu sorti en 93 en Europe, 92 aux États-Unis et au Japon. Et bien sûr, l'original est sorti en 89. Bon, on va appuyer sur Start. Comme vous pouvez voir, on a donc Start, Continue, Fast Test. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, c'est en fait des sauvegardes. On peut entrer un nom si on veut. Bon, moi, je vais aller hop. Où est-ce que c'est? Pour le fun, hop. Et voilà, ok, ça c'est pour retourner à l'intro, donc on va y aller. C'est un jeu donc à l'origine réalisé par Jordan Mechner. Il avait déjà réalisé un peu avant un autre jeu, je sais plus exactement le nom, c'était sur l'univers du karaté, ça devait être karaté plus un truc dans le genre. Ah merde, j'ai perdu un point de vie.
Donc là, c'est la version méga CD. Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport aux autres versions? Déjà de bonne musique, parce qu'on est quand même sur CD. Des voix dans une avec une intro, comme vous pouvez voir, assez typée manga. Ainsi que... Comment dire? Oh, le con! Oh, désolé. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un Prince of Persia de première génération. Je suis vraiment mort comme un con. Comme vous pouvez voir, si on met pause, on peut sauvegarder. Entre rapide, entre non, speed fight. On a pas mal de réglages dans les options. Hop. On va le faire commencer. Cette fois, en faisant mal con. Donc, on est sur Mega Drive, on a 3 touches. Donc A et C, c'est la même touche, tandis que B, donc A, ça nous permet, A et C, ça nous permet par exemple d'aller doucement, B nous permet de sauter, quand on appuie sur le bon moment, parce que il n'y a pas à dire, Prince of Persia, ça a toujours eu un défaut pour ma part, c'est que le personnage est assez assez rigide. C'est, autant il a des bonnes animations, autant ses mouvements ils sont un peu chiants. Il prend son temps pour réagir. Ah, l'autre côté du con. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce premier Prince of Persia reste un jeu assez culte, à la fois pour son ambiance. Et pour, ben, disons, son gameplay. Bien sûr, je vous raconte. Bien sûr, il y a pas mal d'anecdotes sur ce jeu. Je pense par exemple à l'histoire comme quoi Jordan Mechner filmait son frère. Oh, le con, mais oh, il va sauter, ouais. Pour faire justement tous les mouvements. D'ailleurs, son frère... On ne l'a plus jamais aidé, je crois, pour un jeu, puisqu'après il est devenu quand même champion de Go. Mais. Je te demande de sauter normalement, du con. Mais. Il veut pas sauter! Il est con, quoi! J'ai un problème de saut, là. Allez. Alors là, je vous dis tout de suite. Autant je me débrouille bien sur NES. Oh non! Et je suis mort. Mais il veut pas sauter! Je bois pied sur B, il saute que verticalement, pas horizontalement. Je suis encore mort comme un con. Ah, il faut vraiment... J'ai perdu 2000 pour rien, là. Je vous dis, ce jeu, Prince of Persia, autant... Ah, voilà, j'ai fait le con, je suis encore perdu un point de vie. Je vais au moins aller récupérer l'épée. C'est un jeu quand même assez difficile, hein. Je sais pas s'il saute maintenant pour aller jouer. Déjà, comme je vous dis, j'ai un mal de chien à jouer aux nouvelles versions. Mais... C'est quoi cette modalité? Faut que j'essaie la version Mega Drive tout court pour voir un coup ce que ça vaut. Parce que la version Mega CD, un gameplay assez pourri. Hein. On notera donc Prince of Persia bien avant d'avoir une nouvelle génération à partir de la PlayStation 2. A eu des suites, à savoir donc Prince of Persia 2. Ah bah voilà, je comprends. Non, c'est moi qui fais le compte tout à l'heure en fait. Pour faire un saut avancé, il faut faire avancer plus saut, pas haut plus saut. C'est moi qui me bourrais dans les manips. Donc je suis mort comme ça depuis tout à l'heure pour rien. Hop. Ah, il faut que j'ouvre la. Si j'ouvre pas cette putain de porte. Alors, je ne pas le doucement, voilà. Voilà. Et court. Et saute. Oh, le con! Ah, vous dites, comme un pied après ça partir. Vous allez me voir crever, mais un nombre incalculable de fois. Je crois que j'arrive même. Je sais même pas si j'arriverai à vous faire le premier niveau. En tout cas, c'est un jeu qui est bien, mais bon. Je suis une vraie merde à ce jeu.
Même au récent, comme je vous l'ai dit, je suis une vraie merde. Je sais pas, c'est un jeu que j'aime bien, pourtant j'ai du mal à y jouer. Ah, pourtant avant j'arrivais à avancer vite. Donc comme je disais, il existe donc un Prince of Persia 2. Après il y a eu un ce qu'ils ont appelé un Prince of Persia 3D. Sorti donc sur PC et Dreamcast. J'ai un backup de la version Dreamcast. C'est un CD gravé si vous préférez. Pour l'essayer. C'est vrai qu'il a été décrit à l'époque, mais moi je trouve quand même pas mal. Parce que je me débrouille mieux à celui sur Dreamcast qu'à celui sur PlayStation 2. Voilà, je suis resté à passer. En fait, dans ce jeu, ce qu'il faut, c'est pas foncer tête baissée. Il faut apprendre justement à. Ah, j'ai oublié qu'il y avait une telle piégée. Allez. Oh non, oh le con, je me dépêche et à chaque fois je rate. Ça c'est bien moi. De moins c'est de vous faire le premier niveau quand même. Voilà, donc pas. Pas se presser, allez doucement. Quand même, il y en a... graphiquement, je trouve quand même plus beau que la version Mega Drive que j'ai pu voir que j'ai essayé quand même un peu, mais moins beau quand même que la version Super Nintendo que Edge a testé. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. D'ailleurs, on notera que les versions, disons, Super Nintendo par rapport aux versions Mega Drive ont souvent des trucs en moins, alors que pour Prince of Persia c'est quasiment le contraire, c'est à dire le jeu est quasiment doublé, il a deux fois plus de niveaux, plus d'environnement, ce qui est quand même pas mal. Et merde, je suis bon pour recommencer. Voilà. J'ai réussi. Là, je suis bientôt à avoir l'épée là. Prince of Persia, c'est quand même un jeu que j'ai jamais fini. On comprend vite pourquoi. Hop. Et je devrais avoir l'épée qui. Ah voilà, l'épée là. Il suffit de descendre. Laisse-toi, ramasse l'épée. Et voilà. Je crois qu'ils auraient pu faire une petite animation pour les pierres amassées, une petite chaînette, bon, ça aurait été sympa. Mais à ce que je vois, qu'en fait, ils sont simplement pas fatigués, juste une vidéo pour le générique de début, une vidéo pour sûrement pour la fin. Oh non, le con! Oh le con! J'avais récupéré l'épée! Ah, de toute façon, ça c'est une vidéo que vous allez voir courir souvent, à la fois dans ce jeu et surtout dans le suivant, c'est-à-dire Another World. Après, disons pour la nouvelle saga, donc il y a les sables du temps, les deux royaumes, faut quelque chose comme ça, ou les deux princes, enfin je sais plus les noms exacts des trois épisodes. Enfin, moi j'ai les trois sur PlayStation 2. Oh le con, mais il a pas sauté! Pourtant, j'ai appuyé sur le bouton! Et voilà, on se dépêche, on crève comme un con. Ah, ce jeu est vraiment difficile. Donc après, je sais que... Après, il y a aussi... Ouais, donc... Mais pourquoi il n'a pas descendu? Ça, c'est un jeu où il faut y aller au pixel près, c'est assez énervant. Allez hop. Mais en tout cas je trouve bien coloré, bien sympathique, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la version NES.
Je dois vers son nez, c'est simplement habillé en blanc. Ce qui est un peu con. Parce que... Je descends. J'appuie sur la plateforme. Je cours. Et je saute. Et je saute, je saute et il saute pas. Je suis en train de m'énerver. Je vais au moins finir le premier niveau. Parce que je suis sûr que j'arrive. Pourtant, le premier niveau, je connais par cœur. De toute façon, de tous ceux qui ont joué à la première sur personne qui ne connaît pas le premier niveau par cœur. Allez. C'est-à-dire, ça fait 6 minutes que je suis à galérer pour récupérer cette putain d'épée et que je foire comme une merde depuis tout à l'heure. Ah, c'est assez chiant. Hein. Et voilà, et hop, dépêche-toi. Avant que la porte s'en baisse. Oh! D'habitude ça marche. Enfin sur NES ça marche ça. Le coup de speeder quand on passe ici. Comme ça on évite d'appuyer sur la deuxième plaque. Et là bah, j'ai foiré. Allez, passe, voilà. Voilà, allez, je vais avoir mon épée. Voilà, j'ai mon épée et je pourrais aller enfin affronter le premier garde pour sortir de ce satané niveau. Voilà, j'ai réussi. Il a pas sauté. Mais pourquoi il a pas sauté? Ça m'énerve. Ah, je vais finir le premier niveau. Je fais le premier niveau, ça c'est sûr. Je suis en train de m'énerver. Comme c'est pas possible. Bon, concentré, j'arrête de faire le con, je vais doucement. Tant pis si je prends 3 heures pour faire le premier niveau. Bien sûr, c'est un jeu qui est chronométré. On a une heure pour sauver la princesse. Et bien sûr, quand on meurt, le chrono revient pas à zéro. Et ça, c'est énervant dans ce jeu. C'est le pire truc dans le jeu, c'est ça. C'est le chrono qu'on voit défiler, qu'on ne peut pas arrêter. On peut pas gagner de temps. On est obligé de jouer à la perfection si on ne peut pas perdre une seconde. Voilà. Je joue la prudence. J'arrête de faire les conneries. Quitte à marcher doucement. Voilà. La pédale tombe. Je reviens en arrière. Là, je peux tracer. C'est bon, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai mon épée et maintenant je vais affronter le gars. Voilà. Voilà, je suis passé. Bon, bah là, je peux tracer comme j'ai lassé la plaque. Reviens en arrière du con.
Voilà. Hop. C'est bon. Alors là, il fait aussi doucement, même si j'ai de la marge. Et voilà. Je vais pouvoir aller affronter le premier garde. Et j'aurai enfin fini ce satané de premier niveau. Et voilà, premier garde. Premier garde est assez simple. Voilà, on flingue assez vite. Arrivé ici, il s'est fait c'est ici sur la plateforme, et voilà, le premier étage est fini. Ouais, donc c'est un jeu excellent, c'est un jeu culte, mais bon, il est vachement difficile et moi il me saoule à mort. J'aime bien, mais il me gave. Il me reste combien de temps pour me faire le deuxième étage maintenant? Les temps de chargement sont un peu longs. On a des petites cinématiques comme ça. Y a une scène de dialogue ou pas là? On va juste pas penser à ce qui attend. Parce que nous on se crève le cul et elle est là à pas bouger, à attendre. Elle m'a 52 minutes. Bon, je vais me faire un petit garde. Et j'arrêterai là. Donc ouais, c'est un jeu graphiquement, il est super. Même si bon, il est moins beau que la version Super Nintendo. Ouais, c'est lui qui m'a touché là. Ouais, mais il est plus fort que... Il est plus fort que le premier, lui. Un jour. J'ai même pas réussi à le toucher. Et puis, je sais pas, quand on se bat, on a du mal à avancer, à reculer. Allez, avance. Mais sérieux, il est plus rapide que moi. Comment vous voulez que je le touche? Il est plus rapide que moi. Bon. Sinon, ouais, donc je vais arrêter là. À ce niveau 2. Le bon point, c'est l'intro qui est quand même pas mal. Typé manga, d'accord, mais que pour la Mega CD, ça reste quand même superbe. Les musiques qui sont... vraiment envoûtante, on est vraiment dans l'ambiance. Ah, c'est moi qui ai touché. Je vais le battre. Et voilà, je l'ai eu. Non, vraiment, les musiques nous mettent dans l'ambiance. Alors, le truc, c'est quand il y a des points assez, marcher doucement dessus pour éviter de se planter dedans. Je pense qu'on doit aller vers le haut là. Je suis pas sûr. Allez, sauve-toi. Voilà. Il me semble que ouais, c'est par là qu'on doit aller. Donc ouais, c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Je pensais que c'était une fiole qui aimerait ajouter un cœur. Mais sauf si à mesure des niveaux, on pourra gagner des fioles pour gagner des cœurs, etc. Et si, je pensais qu'il y avait un passage secret ici. Non, mais il n'y avait rien. Donc, ouais. Vraiment, une version vraiment réussie. Pourtant, il y en a beaucoup qui se plaignent, disant que... elle est pas terrible, que l'intro est moche, moi je trouve pas. Ah, je pensais que je pouvais m'agripper à là, bah non. Et puis, sans m'en faire le bug, il faut aller. Ouais, c'est vraiment, l'ambiance est pas mal, hein.
on est dans le Prince of Persia classique. Voilà, une gorge de plus. Ouais, donc, ouais, j'ai plus grand chose à dire sur le jeu. Vraiment une version pas très connue, qui mériterait d'être plus connue. Mais moi, en tout cas, je l'adore. Même si, bon, je suis une bille à ce jeu, et je crève tout le temps. Comme ici. Bon, ben, j'arrête sur cette mort. C'était donc Prince of Persia, sorti en 92 au Japon, aux États-Unis, et en 93 en Europe, sur Mega CD. Allez, on se retrouve tout de suite pour Another World. Allez, à tout de suite.